Bonjour. 218 jours. On beautiful HRT. Faut que je vous parle de quelque chose. Mon sommeil va mieux un peu. Ça va. Parfait. Mais là, je sais pas si c'est hormone related, là. Mais, hey, j'ai donc ben de la misère. Je m'explique. Tu sais, moi, je travaille dans un milieu hospitalier. Dans le meilleur job du monde, mais j'aime ce que je fais. Puis, ça paraît. Les patients me le disent, puis les staffs, puis ce qu'ils me voient chanter, tu sais, puis, oh, enfin, quelqu'un qui est heureux. Merveilleux. Mais là, je pense beaucoup de choses quand même, tu sais, puis tu sais, j'absorbe beaucoup d'énergie des autres. Certains collègues qui sont assez intenses, tu sais, puis quand moi je cherche la paix d'esprit, genre ça correspond pas là, au type de profil avec lequel je veux me tenir. Donc en gros, c'est ça. J'ai une personne dans mon entourage qui physiquement me draine lorsque je suis au travail. Puis ça me rend anxieuse, ça me fait faire une crise de panique. Puis tu sais, cette personne, je lui ai fait un message vidéo que je lui ai envoyé à la fin de la journée. J'ai attendu, tu sais, je tourne en maison, j'ai envoyé un message. Je dis, bon, regarde, j'ai pas aimé ton attitude, j'ai pas aimé ce que t'as dit, t'es en train de faire comme l'autre que tu chiales. Tu sais, genre, tu commences à détruire tout ce qui est autour de toi, puis... Tu sais, tu penses pas à moi, là, à savoir comment que moi je peux réagir, tu sais. Tu sais, j'essaie d'être impartial le plus possible, puis lorsque quelqu'un ou une situation se passe, tu sais, ça me concerne pas. Ben, je lâche prise, mais lui, il lâche pas prise, puis là, ça. Il détruit ce qu'il y a autour de lui, bref. Puis il pense pas aux autres. Puis ça, ben, c'est pas correct. Prendre la considération pour les autres. Fait que c'est ça, j'étais anxieux, c'était PL, pis tout, pis lui, il me met sans connaissance. Suite en partant ma journée. Fait que je dis là, gars, je suis arrivé, je suis là-bas, mais à cause que je t'ai entendu dire de la crap, là, ça me file plus. Fait que là, j'ai passé mon message, aujourd'hui, ça va passer. À chaque fois qu'il m'arrive une crise de panique ou quelque chose, ça me prend 2 jours pour m'en sortir, à peu près. So. C'est ça pour ça. L'autre affaire, c'est que j'ai des bons amis. Puis je les ai vus récemment. Une amie en particulier. Puis là, ben, tu sais, elle a certains problèmes. Fait que, tu sais, je suis à l'écoute parce qu'elle commence, elle aussi, à partir des crises de panique. J'y explique c'est quoi, j'explique comment moi je vois ça. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour m'en sortir. On a jasé, on a passé du bon temps, moi, ma chum. On s'est fait un souper sur ma galerie, puis tout. On a eu du bon temps. Mais, du bon temps, mais j'ai quand même absorbé, tu sais. Parce que ce qu'elle vit, c'est très difficile. Pas facile. Alors, ben, c'est ça. J'ai absorbé son énergie, sa situation, j'ai pris ça. Fait que là, je me suis rendu compte que, un, je suis hyper empathique. Parfait. Puis je fais une genre de dépression. Une genre de dépression. Comment expliquer ça? Une genre de dépression de compassion. Genre, d'avoir eu tellement de compassion pour les autres que ça m'a vidé. Puis tu sais, dans un milieu comme moi où je suis, ben c'est ça, c'est que tu fais face à de l'inacceptable, des situations qui te demandent beaucoup de jus, puis on est empathique, on a de la compassion, mais on se brûle à ce temps-là. Fait que c'est ça, j'ai absorbé beaucoup d'énergie de la part des autres, puis c'est pas évident à gérer, de lâcher prise sur ça. Fait que c'est ça, tu sais, moi ma transition va bien, des fois ça pousse encore. Les traits familiaux continuent d'apparaître. 218 jours. Hier, j'ai regardé une photo de genre
à peu près à 100 jours. J'ai regardé une photo à genre, mettons, 115, en tout cas. Tout ça pour dire que j'ai comme pris deux photos de mes boobs dans un intervalle de 15 jours. Puis, ça pousse vite. Ça a vraiment poussé vite, là. T'as 218 jours, même pas un an, puis je suis déjà rendu avec des seins. C'est pas les plus gros seins de l'univers, ils continuent toujours de grossir, mais tabarnouche. C'est vraiment efficace. Bon, là j'ai chaud, je vais partir de la clim. Parce que j'ai juste mis ma brassière, elle a commencé à me coiffer, puis je crève. Ce sera pas drôle, hein? Je veux que ça soit mon look de la journée, genre. Avec toute la couette reculée, là. Super beau. J'ai envie de genre mon poupette qui vole. Je vais pouvoir faire ça. Ça va toujours se replacer puis je vais toujours être libre ici. Donc, au moins. Il faudrait des trucs pour commencer à faire chaud à l'hôpital là. Ouf, faut que j'en fasse ma teinture aussi. Ouf, c'est rendu pas bien blanc ça. Fait que c'est ça, j'ai eu des difficultés émotionnelles. C'est un peu comme l'épisode Journée de marde, mais en plus petit. L'épisode où je fais le fucking pas. Je suis dans mon lit en train de crever. Je suis dans mon chat. Je suis censé voir mon ami. Est-ce que ça va se dérouler? J'espère. J'essaie de faire les ongles, faire les miens aussi. Fun fact, je suis en train de faire les soucis. Mes soucis ont changé aussi. Ils sont beaucoup moins fournis à la racine du nez. Avant, c'était touffu. Là, c'est comme. Il n'y a presque plus rien. Il faut que je prenne absolument ça pour me définir les soucis parce que sinon, on n'en est pas. À la racine du nez, genre ici. Il y a moins de poils, c'est moins défini. Puis... qui m'a parlé d'un produit. C'est un booster de style. Il me trouvait full fin de me parler de ça. Parce qu'elle me dit, ah, t'as des beaux cils. Puis tu dis, ouais, blablabla. Elle dit, ah, moi je me sens de ça. Je dis, ah, ouais, ça existe. Elle dit, ouais, ouais. Là, elle m'a amené une boîte. Même deux. J'ai envie de m'en mettre moins aujourd'hui, puis ça me moins tannant dans les yeux, moins collant, tout ça.
Allô, Mia? T'es là? Regardez-moi ça, la belle minonne d'amour. Elle veut faire un petit coucou. Moi aussi, je t'aime. Le moment le plus difficile. Okay. Quand même, parce que là, je serais pogné avec ça, mais si je fais ça au moins, c'est pas si pire. Parce que je vais pas me le reculer dans la reine. C'est ça, ça. Je veux aussi qu'il soit comme tout dans le même moton, s'il vous plaît, les amis. Quelle heure est-il? Il est 6h51. Salut, passez une belle journée là. Bye.